aventure té kenn ku nek ñu xol nuñ ko ci impliquer num ci gissé bopom donne un acteur de la transformation structurelle bi ñu wax fi ci réew mi donne joxé sa participation wala continuer de joxé sa participation. C'est pourquoi mënuñu am une vision très réductrice. Ñi fi waron té war nañu upp ndax amna d'autres types d'artistes wax na ko El Malik. Il y en a ñoo xamné par la peinture ils ont beaucoup travaillé à vulgariser ce qu'on est en train de faire. Am nañu xamné par d'autres moyens et on va continuer à élargir. Kérok bi may installé le comité pour célébration Thiaroy 44. Nga xamné c'est une obligation mémorielle pour nous. Mënuñu continuer de subir l'histoire même quand elle nous a été imposée par le sang ba paré duñu rétablir la vérité historique ba suñuy dom ak suñuy seut xam li fi xewon mëna jël matuway pour mu baña amati mais biñ ci wax poser nañu débat bobu le rôle des artistes ci lolu le rôle des artistes tay artistes fi nek peut-être ñom lañu tamu parce que je voulais assis à mon tour ak ci tour président Diomaye vous remercier mais limay wax ni ëmb na artiste yëpp nak ça n'exclut aucun artiste même ku ne man je ne fais pas de la politique intéressé wu il faut que ñu jang séparer ñaar mën nga baña politique mais gis ni li baxna ci réew mi en tant que citoyen nga ne li dama ci duggal sama loxo lol bokul ak politique jëndo carte de membre demo ci meeting and ak truc mais li état bi da ko bëgg def par exemple ci mbay mi fexé ba remobiliser sénégalais autour de l'agriculture nga ne man artiste la te amna ñu may déglu amna sama public bëgg na japp ci li parce que li su doxé réew mi nat ça n'a pas de rapport avec la politique c'est pas un engagement politique mais les gens font souvent l'amalgame nonu nga xamné imam bi def prêcham wala prêtre bi def sermon japp na ni li baxna suñ ko défé mune tay dina khutba ci retour à l'agriculture wax ak ndaw ñi mais lol est pour autant que il est devenu un partisan de passif non parce que amna lo xamné bu doxé ci programme bi sénégalais yépp la doxal duñ fi défar hôpital de dernière génération ñu né wa passif rek fi fañu ñëpp ci fañu tali bu baaxé duñ na passif ñëw ci dugg ñom kessé lénen ak lénen s'il y a de l'emploi les gens les entreprises recrutent indépendamment de la coloration politique motax ñun ñëpp suñu préoccupation mo wara doon na réew mi dox kon yenen phase ya ngi ñëw débat yi ñuy poser yëpp am nañu dem ba bëgg jallalé ci bop nit ñi sax que way on va passer l'éponge impunité etc non loolu yëpp amu mais lu nekk ak taam rek lu nekk ak taam bi mo recevoir fi les anciens détenus et fina bi ñu génné néw na lu ñu waxati ci mbir mi ndax amna lu ma leen wax ci biir nek te duma ko wax ci biti ndax stratégie du lu ñuy wasaré ci mbedd mi mais ay nit su ngeen andé nga and ak nit demb ak barki demb wolu ko mu doy la ci njit di def ngay gis bu la né togal and ak dal togal nga may ko su togé nak suñu togon 1 an 2 ans gisunu dara nit ñi mu lañ né ah ñun dé xamatuñu mais quelques semaines jarul yëngatu kon ci gattal ah gudduna ba paré sax mais solo su waxtaan bi entre autres li la won te ni mako defé guen non lañ koy konné def amna yo xamné sax damay déplacer wu ci terrain bi cibler des quartiers ou des villes dem waxtaan ak nit ñi portage la bo xamné mënul ñak parce que dans notre conception xam ngeen Sénégal lu ko mësa galan ko fi ñi fi tok kan ci yeen mo mëna gënël ñaari axe PSE plan Sénégal émergent ñaari axe yo maîtriser nga yo mëna wax fi est ce que amna même intellectuel ñi nan intellectuel lañ très peu connaissent ce document lool nak moy erreur gouvernance ko ñu fal nga tëju sa palais
tëju say bureau, taal say clim, woo say expert, ñu defar sa document, nga ne yaa ngi koy doxal. Te ñi war a porté document bi xamuñu ko. Ñi war a porté document bi xamuñu ko. Ñun suñu ne dañuy defar, on va présenter bientôt aux Sénégalais le plan, la vision Sénégal 2050. Xam ngeen suñu yitté mooy lan. Ñu dem ba Sénégalais ki yor taxiam di dawal boo ko laajee ci vision 2050 su xamul lépp it di la mën a jukkil dara du jëm ci secteur am peut être ne la ah lii de ne nañ dañ koy def te nii lañ ko bëgg a defee te suñ ko defee dina baax parce que kooku bu xamee loolu dina la mën a gunge ku xamul foo jëm mun la gunge donc le portage du projet la réalisation la réussite va dépendre ci niveau appropriation populaire bi document buñ ko génnee sénégalais war nañu xam ñii fan lañ jëm fan lañu bëgg a yóbbu dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans loolu il faut que sénégalais xam ko c' est extrêmement important ça conditionne la conduite du changement et la réussite dans la réalisation kon loolu du liggéey bu ndaw artistes yi am nañ ci cër bu ñu paree yëpp dañuy def ay atelier dem tëju quelque jour quelque part ñu ne tey artistes yi la ñu ñëw génne programme bi experts yi def exposé nit ñi poser seen question ngeen comprendre lii lan la bu ngeen koy restituer dina yomb noonu lañ koy defee ak beneen segment kon ñun xam nañ fi ñu jëm te dama koy wax toujours gannaaw yàlla gisuma lu ñu mën a tere réussir incha allah ndax réew boo amee yéene ci réew mi bëgg réew mi jub ak jubal loxoy set vision bi leer programme bi dëgër kon delluwaat gërëm leen bu baax ne nag dama inversé affaire bi parce que bi may ñëw damay ubbi rek sànni ci débat bi ne leen kenn ku ne dama bëgg ma ngeen wax ma naka ngeen gisee affaire bi c' était pour tester un peu les sensibilités voir aussi le niveau de compréhension ak l' analyse que les gens se font de la situation fi ñu toll nii mais suñu commencé rek taxaw bi day métti teewul dinañu delloo kaddu gi déglu leen ci seen i préoccupation seen analyse aussi am na solo seen gis-gis ci mbir mi ak seen i suggestion seen i recommandation parce que yéen a ngi nekk en contact ak ay nit yoo xam ne man nekkuma ak ñoom en contact président bo jam Diomaye nekkul ak ñoom en contact te loolu dafa am solo aussi ci liggéey bi merci beaucoup kon ma bàyyi El Malik. Ah Monsieur Kamano vous comprenez wala fa apparemment bon en résumé j'ai fait le résumé pour vous en cas je me réjouis de vous voir ici ça nous réconforte dans notre perception panafricaniste la Guinée le Sénégal la Côte d'Ivoire le Mali Burkina sommes les mêmes pays et nous devons aujourd'hui prendre la hauteur par rapport aux enjeux qui nous interpellent. Nous retombons dans les mêmes pièges qui, in fine, ne concourent qu'à une chose, diviser encore les Africains plus qu'ils ne le sont. Sur des détails, tel a dit ceci, tel a fait cela, nous ne sommes plus panafricains, nous ne sommes plus ceci. Vraiment, on doit dépasser cette étape-là. C'est pourquoi je suis très content de vous voir ici. Et en résumé, ce que j'ai voulu expliquer, j'ai tenu à rencontrer une petite poignée d'artistes sélectionnés par rapport à leur engagement à nos côtés durant les moments où ça a été extrêmement difficile, extrêmement dur. Et ils ont été là. Et par leur production artistique, ils ont donné quand même une certaine portée au message. Nous savons tous qu'il n'y a pas meilleur moyen de véhiculer un message que l'art.
dans toutes ses formes. Donc c'est pourquoi cette réunion marque en réalité la reprise des activités politiques. L'erreur qu'il ne faut pas faire pour l'acteur politique, c'est qu'une fois élu, on se coupe de tout. Pendant 4 mois, on a été obligé effectivement de faire une retraite stratégique pour nous pencher sur l'état des lieux qu'il fallait faire. Quand vous venez d'hériter d'un pays, il faut faire l'état des lieux et de manière très sérieuse. Mais cela n'a jamais signifié pour nous une volonté de nous couper de ce qui fait notre essence, c'est-à-dire un lien particulier que nous avons avec nos bases, mais un lien particulier que nous avons avec la majorité du peuple sénégalais. Et nous allons reprendre ces activités. Cette activité